Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Starbound. Alors la dernière fois on s'était arrêté là, j'avais dit donc que j'allais continuer pour trouver les ressources qu'il nous fallait. Et en fait je suis arrivé dans un biome tout bizarre, visqueux un peu j'ai l'impression. Et en fait juste après je suis tombé sur les ressources qu'il nous fallait, donc c'est vraiment pas mal. Donc j'ai récupéré ce qu'il nous fallait et donc là on va devoir aller au portail. Donc c'est parti, on va aller faire un tour au portail. Donc c'est vraiment un biome bizarre. C'est vraiment un biome tout bizarre, j'avais jamais vu ce biome là. Donc c'est une bonne chose aussi que... Oula, il y a du monde là. Ok. Vivement qu'on puisse quand même commencer à faire des armures parce que j'en aurais grave besoin. Voilà. Hop. Celui-là, je le vois jamais. Celui-là, il est toujours bien caché. Un ennemi. Voilà. Alors. Donc, on va devoir aller au portail pour... pour l'activer et puis après on aura pas mal de quêtes à faire je pense là bas ok, je peux pas monter. Voilà, allez go, on va se dépêcher à monter. Voilà. Normalement, on devrait être bon. Je peux sortir par là. Voilà. Alors, donc, par contre, j'ai rien trouvé de vraiment très intéressant à part les slim blocks. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais eu. On va les garder. Peut-être qu'on en aura besoin, mais franchement, je trouve ça bizarre. Bon, alors on retourne sur la planète. Et là, faudra qu'on cherche donc le portail. Et le portail le plus près, c'est de ce côté. Et je crois que si je me rappelle bien, il est très loin. Il est très très loin. Donc on va y aller. Ouais, par contre, j'ai mon jardin. Parce que si j'active le portail, je perds mon jardin. Enfin, disons que je le perds pas. Je pourrais toujours revenir sur la planète, mais ouais, on va laisser le jardin. J'active le portail. Après, je fais 2-3 quêtes là-bas. Et puis, je pense que le jardin, je reviendrai de nouveau le chercher. Enfin, chercher les graines et tout ça. Je pense. Ouais, on va faire comme ça. Je me rappelle plus si je peux y aller, ouais.
Je vais mourir encore juste à cause de cette connerie. Voilà. J'ai faim aussi. Ok. Bon, on va manger. On va manger. Hop. Nourriture. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ce truc-là et ce truc-là. Le popcorn, je peux le manger aussi. Voilà. Et après, faudra voir pour refaire de la nourriture. Car on en aura besoin. Je sais plus par où j'avais. Non, c'était pas par là en fait que j'avais passé. Voilà. C'est parti. Alors, je trouve ça pas mal quand même que j'ai refait un let's play sur ce jeu et j'ai fait un nouveau personnage. Tout simplement parce que je découvre encore des choses que j'avais pas trouvées. Par exemple, le biome, j'avais jamais vu un biome comme ça. Ah, le voilà. Génial. Ouais, donc le biome, je l'avais jamais trouvé. Et j'ai jamais trouvé aussi les sortes de portails. Et ça tombe bien, on a deux portails. J'en ai utilisé un pour voir ce que c'était. Et l'autre portail, on va l'utiliser, mais quand on sera vraiment un petit peu plus balèze. Et quand on sera... On va se taper là-bas. Quand on sera plus balèze et quand on aura des compétences. Parce que pour l'instant, on n'a pas de compétences. Et on va devoir avoir des compétences et tout. Donc, alors, pour ceux qui connaissent pas ici, c'est une zone marchande où vous aurez des quêtes à faire, des missions et ainsi de suite. Quoi, c'est pas mal. Vous pouvez aussi fouiller. Après, je crois qu'il n'y a pas grand chose ici à fouiller de toute façon. Vous n'allez pas trouver des choses vraiment extraordinaires. Vous avez tout ce que vous pouvez faire côté nourriture. Donc ça tombe bien, donc on va en faire. On va en faire un petit peu. Là, je peux faire un truc ici. Voilà. Nous avons une quête au-dessus. Donc oui, on va faire cette quête. Parce que les quêtes, il l'a. On va accepter. On va accepter et on va regarder ce qu'il veut. Copper bar, d'accord. On va lui ramener ça. On en a que 9, c'est dommage. On va lui ramener ça. Donc là, vous pouvez trouver des choses. Hein. Copper bar. J'ai combien d'argent? Ça fait cher le copper bar. Je préfère encore le trouver. Par contre, ici, vous voyez, normalement, il doit avoir une quête. Je sais pas pourquoi, là, j'ai pas de quête. Je devais avoir une quête avec lui, mais j'ai pas de quête. Nous avons une quête aussi en bas. On va aller faire tout de suite la quête principale pour qu'on avance un petit peu. Alors, je sais plus du tout ce qu'elle veut comme... je sais plus ce qu'elle veut qu'on fasse. Mais on va voir. Alors peut-être que chaque race, on a une différente quête, je sais pas. On va voir, peut-être que les quêtes principales restent les mêmes. Oh, elle, par exemple, c'est encore une nouvelle quête.
Ah oui, d'accord, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. J'ai fait un nouveau personnage. Mais les quêtes que j'ai fait avec mon premier personnage comptent pour mon nouveau personnage. Ok, d'accord. D'accord. Donc là, elle va nous expliquer un peu tous les deux trois trucs qui est vraiment pas. Vu que c'est pas en français, moi ça me sert à rien, mais je vais vous le laisser. De toute façon, je peux pas le passer. Donc je vais vous le laisser. Donc elle va parler pendant un bon moment quand même. Donc là, elle nous explique un peu voilà ce qu'il y a eu et tout. Enfin, je pense, hein. Voilà, elle nous présente aussi des sortes de trucs qu'on peut trouver. Donc en gros, c'est une sorte de scientifique et puis elle doit enquêter sur ces choses-là qui se trouvent ici, là, et on sait pas trop ce que c'est. Ce sont des ruines et tout ça, et on sait pas trop ce que c'est. Enfin, je pense, hein, si j'ai bien compris l'histoire, en fait, c'est à peu près ça. On aura besoin aussi de trouver ces petites boules lumineuses. En gros, ce sont des artefacts et les artefacts, on va devoir en trouver pour faire quelque chose avec. Je ne sais pas trop encore à quoi ça va servir. Peut-être qu'elle l'explique, mais je vois pas pour l'instant à quoi ça peut servir. Moi, je sais que j'en ai que un pour mon premier personnage. J'en ai que un. Et d'ailleurs, je crois que... J'en suis pas sûr, mais je crois qu'en fait ça suit mon personnage. Voilà, c'est ce que j'ai compris en fait. Là, on peut voir que j'en ai déjà un parce que avec mon premier personnage, j'ai arrivé à en avoir un. Donc en fait, ça suit exactement mon personnage à moi, mon premier personnage. Hop, on récupère le quête. Accepter. Ça va être pour réparer, je crois, notre truc. Elle va nous donner une quête où elle va nous faire téléporter, je sais pas où, pour faire un truc. Donc, pour l'instant, on n'a pas le level, donc c'est pas la peine. On va devoir attendre. On va utiliser l'objet qu'il nous a donné. Ceci, donc ça, c'est un truc. Un peu pour gagner un objet ou quelque chose. Donc ça peut être un objet comme une arme ou un truc du genre. Voilà. Ensuite, on lui parle à lui. Voilà. On gagne une mission. Donc ça, c'est les missions du début, hein. Pour réparer en fait votre vaisseau. Et là, nous aurons... hop. On va avoir une quête à faire avec lui pour attaquer en fait. On va devoir faire un donjon pour récupérer des ressources pour pouvoir faire le vaisseau. Pour l'instant, on va pas le faire. Est-ce que je veux faire moi c'est peut-être fouiller la zone, je sais pas. On va voir. Normalement, il n'y a rien de vraiment. Il n'y a rien, donc c'est pas la peine. C'est pas vraiment la peine. Par contre, on va voir si je peux pas. Récupérer la quête en bas. Normalement, on a une quête. Ouais, ça c'est bon. On a aussi cette quête. Accepter. Voilà. Et c'est pareil, ça va être une quête où on va devoir aller
attaquer un boss. Donc c'est pareil, on n'a pas le level, donc c'est pas la peine d'essayer. Par contre, ce que je veux faire, moi, c'est ces quêtes-là. Elle va donner plusieurs quêtes et ça va être les quêtes des compétences. Donc ça, c'est vraiment des quêtes absolument à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est... Bon, ma planète, je peux même pas y aller. Donc ça, c'est pas la peine. Enfin, la planète, je peux y aller toujours, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Par contre, je vais faire tout ce qui est ressources. Voilà. On va... ce que je vais faire, c'est que je vais me TP sur la planète. Et en fait, je vais déplacer mon jardin directement. Je vais déplacer mon jardin parce que là, ça sert plus à rien en fait qu'il soit aussi loin. Hop là. Je vais reprendre en fait le jardin. Finalement, j'aurais peut-être pas dû le mettre là en fait, mon jardin. Bon, c'est pas très grave. Faudrait aussi que j'arrive à construire en fait une... Faudrait que j'arrive à construire quelque chose, un frigo aussi pour stocker la nourriture, pour pas qu'elle qu'elle pourrit. Et mon jardin, je pense que je vais le faire là, directement. Je vais le faire là directement. Tac. Là, j'ai vraiment plus besoin en fait d'aller visiter. Donc, ce que je peux faire, c'est tout fermer. Voilà. Et je fais mon jardin ici. Voilà. Hop. Une torche. Je mets une torche ici. Je peux mettre un mur. Oui, voilà. Là, on va faire un grand jardin. Car je vais encore ramener d'autres... Voilà. Hop. Tac. Alors, du coton. Des patates. Voilà. Je vais... revenir au vaisseau, récupérer encore des graines. C'est pas là, je crois que c'est là, voilà. Je vais récupérer toutes ces graines et on va refaire de nouveau une grosse plantation. Voilà. Hop. Tac. Cette place à moins que... ah si, j'ai de la place. Bon, on peut voir que ça prend quand même beaucoup de place hein. D'ailleurs j'ai enlevé ma torche ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas trop nécessaire encore, mais au moins là je vais pouvoir avoir de la nourriture parce qu'on voit quand même que j'ai plus grand chose. D'ailleurs je vais manger. Voilà, on retourne sur le vaisseau. Je vais ranger 2-3 petites choses que j'ai pas besoin sur moi pour l'instant. Cela. Alors, c'était où que je mettais les objets rares. Hein.
Ah, les voilà. Alors, on va stocker ça, ça. Tout ce qui est pistolet, je garde. Ça, c'est bon. Et on va aller, hop, ici. Mince, pourquoi il m'a TP jusque là-bas? C'est pas grave. Et on va pouvoir notre... Ah non, si. Ah non, c'est bien là, ouais. On va voir ce qu'on peut faire maintenant. Moi, je voudrais qu'il me retape ici, en fait. Ici, directement. Alors, on va déjà terminer sa quête à lui. Voilà, on lui reprend une autre quête. On lui dit qu'on est OK. On se fait TP dans une zone d'entraînement. Hein. Voilà, et c'est parti. C'est la zone... Faut le faire assez vite hein. Donc pour l'instant on a la capacité là pour aller vite. Oh, j'ai raté. Par contre la compétence là je l'utilise pratiquement jamais. Jamais. Merci. Je crois que j'ai raté. On va recommencer. Je suis retombé dedans. Allez, 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 allez. Yes. Donc pour l'instant c'est assez facile, mais bon, quand je vous dis, hein, moi j'utilise jamais cette, ces compétences là. La vitesse basique là, ça me plaît pas trop. Mais bon, après on va pouvoir l'améliorer, et plus on va l'améliorer, mieux ça va être. Ok, on reprend une autre quête. Vu que j'ai à chaque fois tous les trucs, c'est bon. Hop, on récupère la quête. On lui dit que c'est bon et on refait de nouveau un autre test pour avoir une autre compétence. Alors je sais plus ce que c'est comme compétence là. Ah, le double saut, voilà, c'est le double saut qui va être vraiment très intéressant à avoir, car ça va vraiment être beaucoup plus simple pour nous à se déplacer avec le double saut. C'était de ce côté. C'est pas grave. J'avais oublié qu'il fallait aller de l'autre côté encore. Donc avec le double saut, ça va déjà être beaucoup mieux, je trouve. Hop. Tac. Ouais. Ensuite, faut de nouveau aller lui parler. Ok, on reprend une autre quête. Et là, on peut pas la terminer parce qu'il lui faut quoi? 10 gold de barre, d'accord. Donc je les ai pas. Enfin, pas sur moi, peut-être que j'en ai au vaisseau, je sais pas. On va aller voir ça. Voilà. Et on a maintenant... non, c'est pas là, je crois que c'est... L'inventaire, voilà. Nous avons donc ici les compétences qui sont ici. Et on va pouvoir les améliorer sur une machine qu'on n'a pas encore, mais que je peux acheter. Donc ça, je vous montrerai dès qu'on se retournera là-bas. Alors, les trucs.
rigole de barre. Voilà. Est-ce que on en a assez? J'en suis pas sûr. Non, il m'en faut encore des gold de barre. Donc il me faut encore de l'or. J'ai pas assez d'or, non. Ok, bon c'est pas grave. L'autre compétence, c'est pareil, je l'utilise très rarement l'autre compétence. Mais ça va être aussi utile quoi. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.